C'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue, Zach. Il rate. Non, il rate. Il rate. Non, 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 non. Je bouge même pas. Zach. Ça va faire. Je bouffe un 3-0, mais... Bonsoir tout le monde, il est 14, il est 13h, je dis bonsoir, c'est énorme. Ça commence bien, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et à toutes, on est en direct du Groupama Stadium. Lancement de FIFA 23, je suis avec le frère, le Zach. Bonjour, bonjour, bonjour. Ravi. Ça va ou quoi? Mais que le cadre, c'est la deuxième fois que tu m'emmènes. Je suis un peu ton animal de compagnie. Comme bah, c'est quand même. c'est toi le maître des lieux, quand même. C'est beau, hein. Honnêtement, c'est. Vraiment, pouvoir regarder la pelouse un petit peu comme ça, avoir ce cadre, c'est magnifique. La dernière fois, on était en bord terrain, mais ici, on est très bien aussi. Bah, il pleuvait. Donc, on s'est dit, ça allait peut-être être chaud. Petite journée, j'espère que vous allez bien. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'être là. Moi, je crois que dernière fois que je suis venu, ouais, c'était le match des héros, en vrai. Donc non, moi franchement bien, je te dis, hein, je viens régulièrement, etc. J'aime toujours autant voir ce stade. Je trouve qu'il a eu un peu une envergure, tu vois, les couleurs, etc. Grave cool. Et être dans un cadre comme ça, réussir à faire quelque chose, ça me fait plaisir. Vraiment, je suis bien accompagné et le chat a l'air très très. On va avoir des très beaux invités. Aujourd'hui, ça va jouer à FIFA, on va discuter aussi un peu, forcément. Mais c'est vrai que je t'avais vu, je t'avais saucé sur Twitter, parce que tu avais fait une vidéo ici pour une petite soirée avec OL, avec Adidas, etc. Et, mais du coup, ils t'avaient laissé... tu commences à avoir des bons contacts, toi, à l'OL. Hein. Ça y est, là, ça y est, on est entré dans les sphères. Il est loin, l'époque du ban. Les plaques de la blacklist est fini. Ouais, non, j'avais pu faire un trailer ici. Et en fait, pour la petite anecdote, dis-toi, on avait prévu quelques plans genre sur la pelouse. Et en fait, on arrive ici, ils me disent ouais, la pelouse, elle est vraiment pas. Tu vois. Donc ils me disent vas-y, tu peux y aller, mais pieds nus. Ah. Les plans gros doigt de pied là. Bonjour, je suis Zach. Bonjour. Et non, on avait quand même réussi à faire un truc cool. C'était pour la présentation du troisième maillot de cette saison. Et ça avait fait quelque chose de vraiment cool. Donc j'étais content. En vrai, c'était trop stylé. Hein. Il a fallu un match honteux de Zach pour devenir la nouvelle égérie de l'OL. On aura l'occasion de parler un peu de ce match des héros. Puisqu'on va recevoir pas mal d'invités, pas mal de joueurs, joueuses. On va avoir Sidney Govou, aussi Sonia Bonpastor juste après qui vont passer. Comme je disais, on va jouer donc FIFA 23. Ouais. Il y aura un petit match. Raconte-moi aussi, et on va accueillir tout de suite Sidney Govou et Sonia Bonpastor qui vont nous rejoindre d'ici quelques secondes. Vous pouvez venir, n'hésitez pas. Ah, ici c'est tranquille. Pas de soucis. Bonjour, ça va? Bah, au top. On peut se tutoyer. Hein. Ah oui, bien sûr. Super, Sonia, super, super. Enchanté. Sidney aussi qui arrive. Salut. Ça va, Sidney, tu vas bien? Dernière fois qu'on s'était vu, match des héros, c'était sur la pelouse. Ouais, exact. On s'était jamais vu avant. Je tiens à te dire merci, Sonia, parce que c'est vrai que moi, j'avais passé un entraînement sans repère, perdu au milieu de tous ces joueurs. Et je me souviens qu'avec Camille Abili, on avait fait un petit jeu en triangle, on s'était fait des passes. J'étais en mode, let's go, j'ai des potes sur le terrain, je ne m'entraîne pas tout seul. Mais trop cool, en tout cas, de vous avoir. Ça régale, simplement. Ouais. On l'a juste là. C'est le reveal puisque cette année tu fais partie. Magnifique. Tu fais partie donc des héros avec ta carte héros qui honnêtement. T'as une bête de carte. Hein. 90 en vitesse. 87, celle-là elle va faire très très mal. Tiens, je te la donne. Merci beaucoup. Honnêtement, elle est solide. Hein. Tu peux montrer à la cam parce que ouais, 90 en frappe, 89 en dribble, 90 en tir, 90 de vitesse. C'est vrai que je pense, je sais pas combien elle est là déjà, mais content de ta carte, toi, Sidney? Est-ce qu'il y a une stat qui te plaît en particulier ou une qui te sous-estime, tu penses? Ce qui me plaît, je dirais pas, parce qu'elle me plaît quasiment toutes, mais défensivement, je pense que j'étais un peu meilleur que ça. Tu ferais ça un peu plus. C'était quand même une qualité défensive. Ouais, tu faisais les efforts. Voilà. Tu pouvais pas te mettre 90. J'étais attaquant, donc je respecte. C'est vrai, normal. Zach me disait qu'il y avait eu une anecdote assez marquante aussi, non? C'est ça? L'anecdote que tu m'avais racontée sur la finale de Coupe de France 2008. Où, voilà, directement, ça fait cloche. Et c'était une anecdote qui avait vraiment parlé à beaucoup de gens. Je sais que beaucoup l'avaient vu. Est-ce que tu peux peut-être nous la refaire un petit peu? Dans cette finale, il y en a beaucoup. Ah, celle qui me fait le plus rire, c'est lorsqu'on change de schéma tactique. Exactement, ouais. C'est pas. Ouais, j'ai un coach à côté de justement moi. Justement. Je n'ai pas forcément apprécié ce que je vais dire. Bon, non, mais on l'a fait. Pour recontextualiser, pardon, on est qu'en 2008, finale de, finale de Coupe de France en 2008. Contre qui? Qu'est-ce que t'as fait? Paris. Paris, ouais. Paris, ouais. Et l'année où l'OL fait le doublé, et c'était avec Alain Perrin. Exactement. On va dire qu'on fait une première mi-temps dégueulasse. Pas très bonne. Non, pas bonne du tout. Et on se rend compte que tactiquement, le coach avait nous mettre dans un schéma et on n'était pas trop allé avec ce schéma-là.
Donc il s'est passé beaucoup de choses pendant la mi-temps et en même temps, avec 2-3 joueurs, on a discuté, on a décidé de changer de schéma tactique sans le dire au coach, bien sûr. Et après, s'en est rendu compte au moins ou... Assez rapidement. Parce que ça peut arriver qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais le problème, c'est que c'était moi qui étais à côté du banc. Ah ouais. Donc à chaque fois, il me disait, mais pourquoi ? Pourquoi il est là ? Et je faisais style, je l'entendais pas, je faisais comme ça. Quoi ? Ah ouais, à l'acteur en plus. Attends, il y a du bruit là, Stade de France. Et forcément, moi, aujourd'hui on le dit parce qu'on a gagné derrière en prolongation. Mais il faut pas le faire, faut pas le faire. Bon, on l'a fait parce qu'on était vraiment perdus. On s'est dit, bon, c'est peut-être notre seule chance. Sonia, toi de ton côté, donc du coup, t'as été joueuse, récemment là, t'es entraîneur. Je me suis noté quand même le palmarès, t'as 2 Ligues des Champions, 8 Championnats de France, c'est ça ? C'est ça. 156 sélections entre 2000 et 2013, du coup, en équipe de France. C'est... Oui. Solide, bravo. Hein. C'est très solide. Hein. Parce que match des héros, t'as failli marquer hein, quand même. Parce qu'il n'y a que Sony qui a marqué. Je crois qu'on on a la frappe, la petite ouais, barre. Ouais. Je sais pas si on peut si on peut envoyer ça, parce que déjà sur la frappe que moi je loupe. Parce que là on voit le petit piqué qui tape la barre en vrai t'es... en finesse hein. J'y ai cru hein, mais il manquait encore un petit peu de justesse tu vois. Le pied était là hein, le pied est encore là hein. Oh Voisac en plus qui... le gros crâne. Etienne Slimane dans les cages. Et c'est vrai que juste avant moi je fais une frappe qui est terrible et on te voit, j'avais revu et on te voit faire en mode mais là je suis là juste à côté. Ouais. Non mais bah, hyper intéressant en tout cas de pouvoir discuter un peu avec vous. Je sais qu'après vous avez aussi vous êtes quand même assez chargé, mais merci déjà d'être venu nous merci voir. Merci beaucoup, c'est cool, merci pour l'invite. Ouais. C'était trop cool. Bah, écoute, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on se revoit la prochaine fois sur le terrain, on l'espère. Hein. Continuez bien. Merci. Bah, merci. Je vous enverrai ça fait super pour plaisir. Le bouquin, je vous l'enverrai. J'attends les adresses. Ça fait plaisir. Okay. Merci. Plaisir. Merci on vous laisse vous. Repartir, merci magnifique. Beaucoup en tout cas. Magnifique. On me dit qu'il y a peut-être Corentin Tolisso et Anto Lopez qui sont déjà là et qui veulent passer. Ça retarde ta mort. Moi je préfère quand on joue ensemble, tu vois. Ouais, si, bah, s'ils sont chauds de passer, avec plaisir. Hein. Let's go. Allez, ça part, sur le gong. C'est sympa. Il va arriver. Moi, ça m'arrange, moi. Parce qu'on va jouer ensemble, contre toi, par contre. Ça, donc je vais découvrir ton niveau dans mon équipe. Là, c'est magnifique. Je vous demande d'applaudir. Oh là 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 là, qu'ils sont beaux, on applaudit. Ça va, tu vas bien ? Ça va ou quoi ? Tranquille. Enchanté, salut. Tu vas bien ? Ouais, ça va super. Salut Anto, enchanté. Ça fait plaisir, comment vous allez ? Bonne journée ? Ah oui, là t'as pris la corde, t'as pris la main. Direct ! Je suis venu que pour jouer, moi. Ah, tu joues beaucoup à FIFA ? Non, plus trop, mais j'ai un bon passé. Ouais ? Mais là c'est. Ah, je compliqué. Vois le regard, il va nous fumer. Là. Mais là t'es déter, hein ! Nous, on nous avait dit c'est Romain Fèvre qui est chaud dans l'eau, je crois, c'est peut-être trop. Non, hein. c'est Romain. Tu confirmes que c'est Romain ? Ouais, c'est Romain. Corentin, juste avant, on devait te parler d'un truc. Je sais pas si t'es le regard, il va me dire qu'est-ce que monsieur, c'est le moment. C'est le moment. En fait, sur internet, sur Twitter, etc., on a un pote streamer qui s'appelle Brac qui a sorti donc un clip qui était devenu légendaire. Clip, c'est genre un moment en gros d'un live où il est fan de FIFA et sur l'achat-revente de Tolisso. C'est un truc qui te parle ou pas du tout? Ouais, carrément. Je l'ai vu passer des milliers de fois. Ah ouais, laissez-moi mon Tolisso, je sais pas quoi. C'est de Tolisso tranquille. C'est exactement ça. T'as une réponse peut-être à mettre à Brac? Parce que on peut le remettre. Juste, il dure 10 secondes, c'est la 500e fois que. Ouais, sur mais. Des Tolisso, ils font de l'achat-revente là. Sur des Tolisso! Putain! Y'a pas assez de joueurs dans le jeu comme ça pour aller faire de l'achat-revente. Laissez-nous nos Tolisso tranquilles là. C'est pas qu'il y a des critères là dans la coupe de qualification et qu'on est en galère. On s'en fout de l'achat-revente là. Ah ouais, donc je me demandais si tu l'avais déjà vu ou est-ce pas. Est-ce que ça tu aurais un message pour notre ami Brac? Non, franchement, c'était marrant, mais mon petit cousin il m'en a énormément parlé. Mais après, moi, j'avais pas compris, c'était par rapport à quoi que. Parce qu'en fait, il y avait une coupe, je sais pas quoi. Ouais, il y avait une coupe avec des joueurs justement à sélectionner, etc. Et genre de Ligue 1 et tout ça. Tu vois. Et je pense qu'ils devaient du coup vouloir te prendre. Et en fait, il y a des mecs sur FIFA, tu sais, qui font que acheter, revendre, etc. Donc, tu sais, ils vont gratter 50 crédits, 100 crédits. Et les mecs, ils font ça en boucle, donc ils passent leur journée et Brac, ils devaient pas pouvoir réussir à t'acheter, donc oui, ça l'a rendu malade. Ah, oui, d'accord, c'est ça. Comprends mieux. Oh, il y a des listes de joueurs vraiment très grosses en mode si vous achetez ce joueur, on pourrait le revendre un peu plus cher et toi t'étais dans cette liste de joueurs et donc c'est pour ça il avait pas pu, comme il disait qu'il pouvait pas t'acheter, ça lui a fait péter un boulon. Non mais au moins la boucle est bouclée. Corentin, je vois que t'avais pris la manette, les gars, moi je vous propose on part tout de suite sur un 2v2 FIFA. Anto, tu joues un peu à FIFA toi, pas trop? Ah, j'ai joué. Ouais. Moi par contre je vous préviens, c'est tacle glissé tout le temps. Voilà. Je reste dans mon style de jeu. Je me serais pas douté, y'a pas de soucis. Voilà. C'est nickel. Les gars, bon match hein. Allez, bon match. Honnêtement... On sort pas les défenseurs centraux. Non, t'inquiète. Bah, non, ça sort rien. Oh là, Zach. Oh là, mon Zach, ah oui, d'accord. Non, t'inquiète. Tu peux remettre, frérot. Ah, un peu trop fort.
Ah. Voilà, ça joue tranquille, ça construit. Vers l'avant, voilà, côté, ça c'est le jeu que j'aime bien. Ça. Allez, Manu, je viens pour toi, je viens pour toi. Je te la remets, une, deux, regarde, tu pars, bien sûr, on profite de la vitesse, je suis là, je suis là. Attention, tiens, coup, tu cours. Hop là, regarde, tu vois. Derrière, tu peux regarder dans l'axe peut-être ? Dans l'axe en retrait ? Et oui, j'étais là. La sortie d'Anto ! Tiens, ça joue. Anto qui saute. Elle était propre celle-ci. Pas avec Karl. C'est bon, c'est Max. On a besoin d'air. On a besoin de construire. Sur le côté, c'est bien. J'aime ce que je vois. Tiens, t'es pas hors jeu. Tire, croise ! Oui ! Mon gars ! Bien sûr, mon gars ! On est là, bien sûr ! Ça ouvre le pied. Ah, je suis désolé. Hein. Après les gars, vous êtes bien. C'est pas fini. Non, quoi. Mais on n'a pas besoin que tu nous rassures. On n'a pas besoin que tu nous rassures. Hein. On sait ce qu'on fait. Hein. Ça joue encore. On vous le passe. Oh là là. Fais quelque chose de beau. Allez. Voilà. Non, il fait le skiller. Ah oh là là. C'était dur ça. Voilà, quand dans l'axe Tolisso. Ouais. Regarde, une touche de balle. Tu récupères, c'est ça. Là, c'est du. Oui, t'es en bas. Voilà. Bienvenue. Ça c'est récupéré. Tu l'as. Là. C'est Max. Ouais. Oh, il a. Père. Il fait écran. Je nous sens en panique, Zach. Non, ça va, ça va. Voilà. Je nous sens en panique. Golazo ! Attention le fil. Qui c'est qui m'a. Oui, regarde, qui c'est qui m'a. Et c'est un cœur, ça. Et oui, c'est voilà. Le cœur. Oui. Bon, il m'a fait. J'accepte la perte de balle et de ma faute. Ressort. Père. Et ça, c'est une intervention exceptionnelle. Le prof. Là. Allez. Oh, et le contrôle. Tout dans le contrôle. Allez, Pierre. Pousse, garçon. Oh, fini. Moi, je compte sur mon gardien. Oh là là. Heureusement que tu fais des arrêts. Moi, je bloque l'angle. Non, Pierre, depuis un moment. Allez, vas-y. Ah oui, d'accord. Gère. T'inquiète. Bah, c'est pas comme s'ils allaient voir où c'est que j'allais tirer. Ah ouais. On l'avait pas. Attention. Oh là là, c'était vu. Centre. Oui. Je te connais maintenant. Pas un but dans les dernières minutes. Il est frais. Je connais trop. Solide, Noël solide. Ouais. Hop. Je reviens. Hop. Fin de touche. Appel contre appel. On est pris dedans. C'est moche. Ah ouais. Sif. Oh oui, il est super, le tac, le pied. Ah, c'est magnifique. Je l'avais couché. C'est moi, je l'avais couché. Parce que je le respecte et du coup, c'était trop héroïque. Sale. Merci de nous offrir une prolongation. Non, rien, avec plaisir. Non, parce que c'était trop sale. Je pouvais pas. Tu veux buton or? Classique, ça veut jouer. Classique. On est reparti là. Ah, il y a 5 changements. Par. Voilà, super. Ah, c'est dommage. Super. C'est bien ça. Ah non. Mais rattrape son erreur, le gars. Ouais, c'est fini. Ah, c'est bien. C'est pour nous. Dernière action. Là. Hop. Je suis parti. Oh le chien. Remets. Tiens. Aïe. Frérot, remets. Boum. Oh, c'était dur. On est dans un gros moment là pour nous. C'est le temps fort. Allez, dans la boîte. Moussa, il s'élève plus haut que tout le monde. C'est moche, hein, c'est bon. On sort. Corentin, t'as un esprit compétitif enfouillant toi. Ah, c'est la gueule, je perds pas moi. En plus, c'est mon petit cousin qui me regarde là, c'est mort. Regarde vite fait les Ocas. Non, les Ocas, je crois que vous étiez un peu devant. Hein. On se fait fuir. Qu'est-ce qu'on peut mettre Jeff, je pense que Jeff. Oh là là, Tolisso Cacré, faut sortir. On peut faire rentrer. C'est toi le coach. Ou le coach m'adapte. Ouais, à la place de qui quoi. Regardez, votre Tolisso, il a même pas couru vous. Il est encore. Mais on n'osait pas le dire. On n'osait pas en parler en fait. Mais on peut ouvrir le sujet si tu veux. Écoute, c'est coach Bizot, je te fais confiance. Là. Fais quelque chose. Jusqu'au bout, hein. Ah, si tu faisais une petite frappe de frappe. Je vois deux. Ah, gueule des tueurs. J'arrive. Oh non. Les gars, il y a une connexion entre eux, c'est fort. T'as parlé du coup contre Messi. Tir au but, je crois que le truc a un peu changé parce que maintenant c'est genre un cercle qui se rapetissait. Pas tirer les pénalties. Hein. En gros, c'est ça. Tu vois, donc il faut frapper, je pense, quand le moment où c'est vert. C'est moi. C'est qui le jaune? Il cache sa manette. Ah, il tire au milieu, je le connais. En fait, j'ai essayé à l'ancienne de mettre un peu. Il faut que tu fasses rond et carré que quand le cercle il est vers le. Quand c'est tout petit, quoi. Voilà. Quand c'est tout petit. Je crois qu'il faut que tu restes un peu appuyé. Moi j'ai appuyé une fois, apparemment ça n'a pas suffi. Ah, je sais où il tire. Oh, le monstre. Bien sûr. PA, la responsabilité. Je sais, Anto. J'ai analysé tous tes replays, je sais exactement ce qui se passe. Il croise.
Je sais exactement, oui, Anto, je suis désolé, Anto, je... C'est bien. Par contre, Tolisso, je le connais, et je sais où il tire. Et je sais où il tire. Allez, PA. Il connaît. Non. Mal tiré quand même, mais... Cherki, laissez-le-moi. Laissez-le-moi. C'est un gamin. Oh, il est bien tiré. Il panne le cas. Oh oui, Zach. Zach, on est à égalité. Zach, j'ai juré, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue, Zach. Ah, j'ai chié dedans. Il rate, non, il rate. Non, non, non. Je bouge même pas. Zach. Frérot, c'est balle de match là. Frérot, c'est balle de match. Anto, ouais. Je sais que t'as tiré deux fois à gauche, ça a été arrêté. Il est pas dans ta tête, j'espère. Non, non, mais il est pas dans ta tête. T'inquiète, il est pas dans ta tête. Voilà. Merci. Dans l'axe. Je comprends pas pourquoi ça a mis la marque à ça, les gars, ça a envoyé un drop. Putain, c'est vrai que le drop, c'est fait. On a gagné. Bien joué, les mecs. Les gars, c'est à la main. Merci beaucoup. Félicitations. J'espère un peu, je suis désolé. Moi aussi, j'ai chaud. J'ai donné dans le match. En vrai, bête de match, Zach fait TDR. Non, mais de toute façon, c'est vrai que la frappe. Je comprends pas. En fait, j'ai foiré ma frappe. La barre s'est remplie un tout petit peu et s'est envoyé un drop. En fait, c'est bien raté aussi, un frérot. C'est vrai. Parce que c'est vrai que t'as mis vraiment la zone la plus large possible. Ah, mais l'équipe qui a gagné méritait vraiment sa victoire. Parce que on peut pas voir le. Les statistiques, tu veux un peu de stats? Tu veux un peu de stats? On peut te mettre un peu de stats, bien sûr. Mais on vous a sali en fait. Oh, du tir à 13, ça va. Agressif. Non, vous êtes. Les gars, vous avez été bons. Ça va s'y remettre un peu. Je pense que je vais me remettre à fut. Ouais, je vois ça là. Là, ça y est, c'est le moment. Ouais, je crois que c'est le moment là. Bah, les mecs, on va vous laisser repartir tranquille. Merci en tout cas de nous avoir donné un peu de temps. C'était un plaisir et bon après-midi. Merci. À la prochaine. Bonne continuation, les gars. Oh là là. Bah ouais, merci, ça fait vraiment super plaisir, merci. Merci, ciao les mecs. Aïe aïe aïe, ouais, Zach, ça va être une après-midi, hein. On va se faire souiller toute l'après-midi, mon gars. Oh là je tiens à livrer mes excuses pour le penalty. Ouais, dans le match, il y a eu des soucis de mon côté, donc t'inquiète. Mais alors, autant le penalty des ténèbres. En fait, je vais être honnête, sur le dernier penalty, j'ai oublié le cercle. Je pensais que à essayer de pas frapper trop fort. Parce que si tu regardes, tu m'as dit pas trop fort, et donc, du coup, j'ai oublié le cercle. Ouais. Donc, j'ai frappé tout doucement, et j'ai pas vu le cercle, et un barre. Oh là là, ils arrivent. Oh là 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 là. Ils ont pas la manette en main, mais. Enchanté, tu vas bien? Ça va ou quoi, Johan? Tranquille. Salut, Romain, tu vas bien, gros? Ouais, ça va super. Ça salut, super. Romain, tranquille. Ça va ou quoi, Johan? Bah, très bien, et vous? Tranquille. Ouais, ça va. Ça se passe gros début d'année là pour toi, gros début de saison. Hein. Bah ouais, ça se passe bien. Je suis très content d'être arrivé ici. Pour le moment, voilà, je joue. C'est ouf, en vrai. Ça se passe bien. Ça fait super plaisir. Genre l'année dernière, t'étais en gambarde. Bon, même si tu jouais aussi avec Caen, etc. Et là, seconde mi-temps face à Paris, tu rentres et tu fais un peu un taf de patron et tout. Ça fait plaisir. Ouais, non, c'est cool de jouer des équipes comme ça, des joueurs comme ça. Parce que voilà, il y a des grands joueurs en face, donc forcément c'est agréable de jouer face à eux. Tu joues un peu à FIFA ou pas? Un peu de temps en temps. Tranquillement. Non, c'est un menteur, il joue beaucoup. Il joue beaucoup. Regarde, il a une rictus du menteur. On va se faire taper. C'est un mytho. Il m'a dit qu'il y a des poignées FIFA, mais c'est parce que toi, Romain, par contre, tu te tues, toi, à FIFA. Moi, je me tue. C'est pas vrai, ça. Je sais pas qui a dit ça. C'est la rumeur qui traîne. Faut pas écouter la rumeur. Toutes les personnes qui nous ont parlé des joueurs qu'on allait avoir nous ont dit que toi, t'étais le danger. Ah ouais? Oui. Je sais pas, on va voir, je sais pas. Parce que on veut pas te mettre trop de pression, tu vois, pour le match, si jamais tu te déçois, c'est vrai qu'on est surprenant. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le match d'avant. Vous êtes très bon. Oh, des bastos du club, des joueurs du club que je supporte, ça me fait toujours un effet. Qu'est-ce qu'il y a? Tolisso en sortant a dit qu'on était éclaté. Bah, mais marche-nous dessus, Corentin, la prochaine fois, gifle-nous. C'est-à-dire, n'hésite pas. Les gars, si vous êtes chaud, on part en petit match, hein. Voilà, super, l'espace. Enfin, faut qu'on crée des petits triangles. Et tu aimes salir. Malade. Il a changé de voix, le man, carrément, depuis leur match. Oui, monsieur. Merci. Non. Merci. Oui. Tu veux le tirer? Je joue avec lui. Le mec, le tacle, il est propre. Oh là là. Ah, t'as la pression. Comment dire? Ah, c'est quand c'est le plus petit possible. Ah, ça a changé. En vrai, quand c'est grand, c'est mieux. Attention, je suis pas sûr. Attends, je sais pas. Toi, réfléchis un peu. Elle fait entre les deux. Toujours. C'est petit. Ah bah, c'est bien. Ça a tiré tout seul. Oui. Bah, il y a 3-0. I have a dream. Non, en vrai, il y avait pas vraiment faute sur le tag. Donc, comment ça? Oh là, puis doucement. Pourquoi on est haut comme ça? Mais t'inquiète, on presse haut, t'inquiète. Johan, il en peut plus. Il voit des mecs haut comme ça, ça lui rappelle le taf défensif. Il sait qu'il va devoir courir là. Oui, gros, il en a marre. Oh non, non, oh le squatter. Énorme.
Marc. Avec non. moi en plus. Non. Mais oui. T'as un champion. Sobre. Sobre. Célébration. Sobre. 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 Je le dis avant. On est un. Nous, on est un. Un par un, quoi, vraiment. Tranquille, tranquille. Ouais, non. Ouais, il part au centre, c'est vu. Mec, c'est vu en fait. Oui, c'est PA, vu, c'est vu ça. En deux temps, ça, c'est vu. Hop, ça revient. Tranquille, voilà. Hop, derrière, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est oh, pourquoi pas, boum. Voilà, c'est ça, tout ce que je voulais faire, mais. Bah, je. Il va falloir passer en retrait. Oh, encore dans un troisième temps. Le troisième temps, il est là. Le match de patron qu'on vient de cacher. Mais c'est moi qui ai marqué. Il y a que toi qui marque. C'est ça, Péa, le troisième temps. Va. Oui, Péa, tu défends bien là. Marc. Non, ça va, frère. C'est bon. Il m'a soulevé. C'est toi, Joanne? Ouais. C'est qui après ça? C'est toi! C'est qui après ça? Bah, c'est un peu des deux. Non, bah mytho, lui, il fait que changer de joueur, on sait pas où il est le match. Il y a que moi qui défends en fait. À perdre le contrôle. Voilà, super. Hop là, ça voilà, part vite ça. C'est ça, Pierre. Hop là, ça oui, part oui, vite, oui. mec. Hop là, allez, allez, trois temps. Les comptes favoris. Oui, pourquoi pas pour Malo. Allez. Oh, c'est dommage. Oui, Pierre, magnifique, monsieur. Voilà. Ah, désolé, gars, j'avais juste envie de rectifier un peu les choses. J'avais juste envie de... Tu vois, à des moments, faut calmer un peu. Il y a des spectacles dans notre match. Voilà, tranquille. Tu vois, à des moments, faut calmer un peu. Je ne mettrai pas un plus beau but de l'année, les mecs. Peu importe combien de temps je joue à FIFA cette année. Oh, le banger. Hop, on se repositionne. Tu veux me changer de 2-0 À ce moment, c'est le génie qui parle. C'est FIFA n'avait pas prévu qu'ils peuvent se passer ce genre d'action. Magnifique, PA. Ah, mi-temps, on revient. Eh, c'est beau ce match, hein, c'est beau. Mais attends, Joanne. Oui, il y a eu du gros mensonge ici. Joanne, je sèche, il va pas forcer le temps. Sèche pas. Oui. Tiens. Il y a eu un bug. Oh, PA. Oh, PA, mais c'est ça, monsieur. Je te la récupère, tu mets des bangers, c'est voilà, ça qu'on veut. Tout simplement. Bah oui. Ah, mais j'ai compris, il a le filon, il arrive à désenrouler. Bah écoute, entrée de surface, on vient la brosser, on la travaille quoi. C'est... Encore un petit zéro. Ah, il a passé le ralenti, le rageux. Ah oui. Sèche. Si tu peux arracher une jambe, t'y vas. Tiens. Eh, le tac est parfait. Tiens, monsieur. Le. Tu voulais du clean? J'ai mis deux gros bangers en frappe. Mais mec, t'as mis du sale, hein. Attention. Voilà. Oui, non. Et on a jeté tous les joueurs. Prends le ballon. Non, mais au moins, c'est difficile de s'en avoir de ne pas avoir défendu, frère. On a défendu, on a envoyé toutes nos forces. On a commencé à vanner, ça c'est direct. Ça a dribblé le gardien. On aurait dû la fermer, on n'a pas été hyper humble. Petit 3-3, hop. Tiens, allez. Oui, PA. Romain. Je te conjure. Sors, au pire, c'est de la chatte. Tiens. Oh, corner. Dommage. C'est pas fini. On est bien, on a une belle tactique là. Elle met dans la boîte. Je sais pas pourquoi. Oh, crucifix. Boum. Allez, donne. Non, c'est dommage. Il n'y a plus de goal. Oh, ça partait. C'est dommage. En vrai, j'ai voulu faire le power. La power shot. Sauf que j'ai fait les gâchettes d'être derrière et c'est celle-là. Deux fois, c'est de la prolongue. On va être fatigué. Eh, on a. Non, j'ai dit, on avait expected goal. C'est nous qui avons 1,2 en expected goal. Toi, c'était Wenger en fait. C'est très bien. En plus, il a dribblé le gardien. Ça va. C'est chance de but zéro. Le truc est rentré. Chose de bien à venir. Ah, ils ont la méta. Oh, ça met. C'est pas qu'elle a fait des méta dans 5 minutes. Ça met. Je crois ils ont compris. Ils l'ont maintenant. Allez, donne ça, j'adore. Ah, j'en veux plus. Oui. Troisième lame. Oui. C'est sublime. Pourquoi? Non. Hors jeu là. Marc, non. Ah oui. Oh, je te l'ai remis, je suis désolé. C'est pas, je pensais que t'allais allumer. Non, moi je voulais te la Ah ouais, ouais, je pensais que t'allais allumer. Ah, je suis désolé, moi pour moi, c'était la passe à faire. On a une dernière. C'est pas fini. Voilà, tiens. Je vais frapper dès que je peux. Vas-y. Deuxième partie de la prolongation. Oh. J'aurais peut-être dû tenter le power shot. Oh non, ça aurait été fou. Pas le power shot quand même. Non. Tu vas pas faire ça. Sèche. Un jeu. Ouf. J'ai personne moi. Hein. Oh la passe. Oh lui. Oui. Non, tu marques pas s'il te plaît. On aura tout laissé. On aura tout mis jusqu'au bout. Ils sont bons. Je suis content, on a déjà bien accroché. Voilà, il nous reste. Oh non. Le contrôle. Oh, 4 le poussé de balle.
Oui. Oh non. Yes. Les gars, bien joué. On a essayé d'accrocher, honnêtement. Non, mais on sent qu'il y a quand même du niveau. Ça va pas encore tâté trop FIFA 23, mais que ça va venir. Mais ouais, il y a pas des moments où vous faites... Parce qu'en déplacement, en vrai, toi, t'amènes ta play perso. Non. Ah non, je joue jamais. Que chez moi. Que chez toi. Ah, ouais. Je pensais que... Ah oui, donc tu... Toi, tu te la butes. À un moment, un peu sur FIFA... Il faisait du club pro, ouais. Ouais, mais avec... Ouais, on revoit tout. Ah non, ça c'est ton penalty, pardon, Joël. C'est vrai qu'au début, il y a 3-3, mais parce qu'au début, on leur a pas dit comment tirer aussi. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai. Les gars, on va vous laisser tranquillement aller vous reposer, etc. Merci pour la bonne humeur, en tout cas. Et très bon délire et bonne continuation. Hein. Donnez tout, les mecs. Hein. Et pas merci pour le but où t'as dribblé tout le monde, là. Rien. On continue en vous pour la suite. Je vous dis au revoir. Salut, Joël. Merci, mon gars. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Romain. On va sur Futchamp, de toute façon, donc on t'attend. Ciao les gars, le match qui va arriver, on va accueillir deux joueuses cette fois-ci. Ouais. Et mon pote, on va être l'un contre l'autre. Je te le dis. C'est une preview du match d'après qui risque d'arriver. Exactement, à la fin, il y aura le 1v1 final. Au bout d'un moment, c'est vrai que tu vois, genre dans nos matchs, il y a des fautes partagées, j'ai fait des conneries, t'en as fait. Au bout d'un moment, faut qu'il y ait un match pour settle. Qu'on règle ça. Qui a été le plus bidon. On règle ça pour savoir un peu ce qui se passe. Mais tout de suite, on va accueillir Delphine Cascarino et Selma Bacha avec nous, qui sont, je crois, juste là. C'est la première fois qu'elles sont sur Twitch aussi. Donc accueillez-les. Super plaisir. Ouais. Ça va ou quoi ? Bonjour, vous allez bien ? Ça va, tranquille ? Tu vas bien ? Ouais, ça va, super, ça va, super. Salut Delphine, ça va ? Ouais, vous pouvez mettre le casque, tranquille. Bon, alors, ah oui, parce que c'est vrai qu'on va jouer, moi je jouerai avec toi, Delphine. Okay. Comment vous allez déjà, les filles ? Ça va et vous ? Bah, ça va, tranquille. Hein, tranquille, écoute, hein, de défaite. J'espère que t'es bon. Hein. Ouais, je suis monstrueux. Ah ouais ? Ouais, trop fort. Ça se voit. Ouais, toi qu'il arrive, il prend une presse, direct. je peux pas respirer. Je sors de deux défaites d'affilée, j'arrive. J'espère que t'es bon. Hein. Non, je suis pas très bon. Mais vous, c'est plus que chez vous, parce que vous êtes toutes les deux formées à l'OL, non ? C'est bien ça, ouais. J'ai re-regardé un petit peu. Vite fait, je sais même plus où je m'étais mis ça. Le palmarès, c'est un délire. Delphine, toi, t'as 6 Ligues des Champions. Selma, t'en as 4. 7 Championnats de France pour Delphine, 4 donc pour toi, Selma. 5 Coupes de France, 2 Coupes de France. T'as 21 ans, toi, Selma, c'est ça ? C'est ça. 4 Ligues des Champions, 4 Championnats, 2 Coupes de France à 21 piges. Ça a un peu fait le tour du game, là. Ça va, ça se passe. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. On en parlait un peu tout à l'heure, justement, avec Sonia Bonpastor, etc. Vous êtes trop forte, bravo. En vrai, c'est ouf. Nous, j'avoue que... C'est le club. Ouais, c'est... le club qui a tout mis en place, qui a fait en sorte qu'on soit à ce niveau-là. Donc comment vous restez motivé comme ça quand vous gagnez déjà un petit peu beaucoup tout et tout, quand une nouvelle saison commence par exemple ? Bah, chaque année, on se dit que toutes les équipes sont au même niveau, ça veut dire que c'est à nous d'aller chercher encore ces titres-là. Et chaque année, en fait, on a cette motivation de tout arracher pendant la saison. Ça sent. Juste avant, avec Péan, on regardait, je regardais un peu une compilation et tout ça, et je même regardais un peu tes statistiques, 19 passes décisives l'année dernière, t'as envoyé un peu. Elles sont hyper humbles, honnêtement. Très humble. Non, parce que, ouais, c'est vrai que je regardais, c'est aussi pour ceux qui ont pas forcément suivi et tout, mais c'est vrai que l'an passé, vous n'avez pas perdu quoi en championnat. Non. Voilà, ni plus ni moins. Les boss. Déjà, ça fait plaisir. Et c'est vrai que la rivalité en France, quand même, elle se fait avec Paris. Avec le PSG aussi, qui, je crois, ils ont peut-être une défaite, je crois, l'an passé, un truc comme ça, donc c'est quand même assez serré. Toi ? 2 défaites. 3. 3. Oh, non, pardon. Nous, 3. Bah, nous, aller et retour, et contre Reims, dernier match de saison. Elle suit mieux que moi. Selma est très carré. Ah, bah, c'est sur les défaites des autres et les victoires perso, forcément. Mais Delphine, toi, t'as ta sœur jumelle qui joue à Paris, Estelle, c'est ça ? Ouais. Une rivalité en club. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe, l'ambiance Ça va, on ça se taquine un peu, quoi. C'est ça. Bah, dès que je gagne, je l'appelle et voilà, je la charrie. Forcément, bon, après, quand on perd, c'est plus compliqué, mais c'est plus rare. C'est réciproque, mais c'est vrai que ça doit être moins fréquent. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez ouf de voir justement à quel point vous êtes forte. Première fois, ce qu'on disait justement aussi avec Sonia, là, sur FIFA 23, vous jouez un peu, pas trop, j'ai cru pas comprendre. Trop, ouais. On va vous expliquer aussi un peu, vous en faites pas. On est flingué aussi, hein, vous l'avez compris. Mais là, du coup, désormais, il y a la D1 Arkema qui est dispo sur FA 23, donc avec le championnat. Je crois qu'il y a la Barclays aussi, c'est Angleterre. Un peu la même question, comment vous vivez ? Alors vous êtes vachement là-dedans, mais aussi le fait qu'il y ait plus de visibilité sur le foot féminin, que ça se développe, qu'il y ait un truc dont il y avait besoin. C'est vrai qu'il y a l'Euro qui a été très suivi. Il y aura la Coupe du Monde en 2023.
C'est bien ça, ouais, justement, fait féminine. C'est où? C'est à en Australie. C'est Australie, pardon. C'était au Canada, je suis. C'est pas ça. Mais ouais, comment vous vivez un peu tout ça Bah, c'est très bien. Moi, j'ai pas forcément l'habitude de jouer, mais c'est très bien qu'on soit dans les jeux vidéo de foot, parce qu'on fait du foot, ça nous concerne. Ouais. Donc, qu'on y soit, c'est très positif. Du coup, vous avez pris le temps de regarder peut-être un peu vos cartes, un peu genre vos notes, etc. Ça va, ils m'ont bien noté. C'était mieux pour eux, de toute façon. Ça va, t'es. Ah. Sinon, elle allait les jouer. Je le match, je suis content que Zach soit avec. C'est le match, je fais que des pressions, je suis athlétique. J'espère que tu vas faire de la merde, Zach. Je te le dis, je souhaite juste ça. Attends, est-ce que tu connais au moins les touches? Bah oui, alternative, moi je dis. Alternative, t'inquiète, t'inquiète, okay. Delphine, je vais non, vraiment, je demandais, on sait jamais. Si et toi, tu les connais? Quand même. Mais j'ai joué. Mais lui, une patate. Mais si à un moment il fait de la merde, tu te lèves et tu le couches, y a aucun souci. Tu veux qu'on fasse un contrat? Attends, passe-moi Delphine deux secondes, pardon. Est-ce que vous êtes. Vous êtes forcément l'équipe la mieux notée. Juste, pardon, on va échanger les manettes, je suis con. Okay. Prends la manette de Delphine et inversement, Delphine. Comme ça, on va être ensemble. Qui a pris l'Allemagne? Excuse-moi, Selma, je me suis trompé. Non, Selma, je viens de misclick. Je suis désolé. L'Allemagne. Mauvais souvenir, l'Allemagne. Ouais, clairement. Ah. Tu l'as encore un peu mauvais. Comment elle s'appelle l'attaquante? Sarah Dabrit. Ah, mais non! Elle a maigri, hein? Ok, donc il y a quelqu'un qui est venu sur le plateau avec le fusil à pompe chargé là. La taquine. Tout le monde. C'est bien, au moins c'est pas que moi. Tu vois. Ouais. C'est pas ciblé au moins. Attendez, on va se mettre ça comme ça, boum. Alors, rouge, jaune. Voilà, le but, honnêtement, tu vois, tu défends avec du X. Voilà, ça, donc touche du bas, tu défends. Ah oh, oui, tu. Delphine, fais-toi plaisir. J'ai appuyé sur. Voilà. On y va tranquille. Ah, Selma, c'est toi là. Tu vas voilà, Selma. C'est ce que j'ai vu dans tes compiles. Voilà, tiens, moi, je fais que ta clé, je sais faire voilà, que ça. Regarde, tiens, Selma, tu me vois. Allez. Voilà, magnifique. Il y a peut-être hors jeu. Regarde, mais tu vois, dans l'esprit, on était bien. Tu vois, la connexion était déjà présente. C'était nickel. Alors, je presse. Pas trop de R2, Delphine, tu vois, comme ça, on pose le jeu. On pose un peu le jeu. Tranquille, Selma. Je te la donne. De la passe, tu m'envoies du X, d'accord? Des petits X, parfait, petit exactement. X. Je me démarque à chaque fois. Voilà. Tu perds ça. Voilà, bien joué. Et c'est parfait ça. Oh. Elle est hors jeu. Voilà. Oh, t'as tout capté. On joue simple à chaque fois, on essaie de se trouver. On propose une solution. Tiens. On va les exploser, hein. je te préviens, nickel. Delphine. Regarde, là c'est toi, je te fais honneur, hop. Tu vois, je te fais honneur, j'ai dit. J'ai vu dans tes compiles là, tu mettais des petits ponts, tu jouais au milieu et tout. Oh. Ah, c'est du Zach, tu récupères. Faute. Non, y a pas faute. C'est du Zach, ça, c'est du Zach. Tiens, Selma. On connaît, on jette pas, Delphine. Non, prends ton temps. Super, Selma, tiens, je te la remets. Tiens, non, tu marques, Selma. Dommage, Selma. C'est pas fini. Ouais. J'ai fait une passe. T'as vu la confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. En plus, c'est toi qui as marqué. C'est que tu me ressens dans le jeu, on dirait des. Tu vois? Tu mets tes stats aussi dans FIFA, c'est ça qui est bien! Un pied droit! Bah oui! Ça dure ce qu'elle, je marque pied droit. Let's go! Delphine, y'a aucun souci sur cette passe, d'accord? On est bien. Allez. Voilà. Magnifique, Delphine. Un petit message pour les parents du petit Hugo. Oui, Delphine tire. C'est pas moi. Voilà. Calme maintenant. On est de retour, Delphine. Tranquille. Voilà ce qui va se passer là. Tout va bien maintenant, on met les pendules à l'heure. Allez, let's go. Petit 1-1 en 3 minutes. C'est pépère, tiens, regarde, c'est le mot. Oui, super. Penalty. Y'a rien. Penalty. C'est tombe, bien ça. Ça tombe. Je te jure, je suis nul. Ah ouais. Si c'est toi qui le tire, je t'explique comment on fait. Moi, ça me dérange pas. C'est quoi? Ouais, c'est toi qui le tire. Je t'explique. Quand le cercle est petit, on plonge. Tu tires. Cette gâchette. Et ensuite, tu choisis enfin, un côté gâchette, et tu appuies un peu comme ça. Regarde. Donc voilà, un peu, par exemple. Oh! C'est ta gueule, c'est ta gueule, c'est ta gueule. T'as voulu tirer au milieu ou pas? Non. J'en étais sûr. C'est ça qu'on a entendu un bruit de chaussures. C'est bon. Attends, vas-y, je te laisse. Tranquille. On va faire un petit changement. T'inquiète. Tu veux faire un petit changement, coach? Non, on reste comme ça. Allez, on reste comme ça. T'inquiète. On a fait une belle dédicace en vrai. Moi, claque, je remplace Selma. Il n'y a pas de soucis, hein. Oh, bah, ok. C'est juste.
observe le score. Ouais, je suis très content que tu le prennes bien. Voilà, comme ça. Et qu'on est reparti. Allez, let's go. On est dessus. Je suis dessus. Voilà. Voilà, parce qu'il a voulu faire le boss. Tiens, c'est le mort. Excuse-moi, Adèle. Là, je peux retourner en arrière si tu veux. Regarde, t'inquiète, je suis là tranquille. Voilà, super, on fait tourner. Ça, comment ça, ça fait tourner là? Ah, mais comment ça? Mais c'est quoi c'est ça? Tranquille, mais c'est ça l'attitude, Adèle. C'est ça l'attitude. Voilà. Il dégoûte, il dégoûte, il dégoûte. C'est fini, c'est fini. Allez, tacle. C'est fini. Tacle, tacle, fais fort. Tacle. Oui. Là, là, là. Je suis abattu. Oui, je suis abattu. C'est ça. Dis-le, c'est ça. C'est genre la victoire qui vous fait pas plaisir. C'est pas grave, là. Non, on a tout donné. On a tout donné, on a essayé. Hein. Beau match. Bravo. On s'incline. C'était une petite formation avec ça. Non, c'était sympa. J'avoue que. Il a le démon. Moi, j'ai le mort. Et la flemme. Non, mais. T'as fait que perdre aujourd'hui. Voilà, bah, mais, top. Mais tu sais, c'est quoi le meilleur? C'est de participer. Bah, c'est ça. Bah, oui. Ça fait plaisir. En vrai, honnêtement, on se sent bien. PA qui va se défouler sur Zach. Non, à la fin, il y aura un petit match entre nous deux. Mais honnêtement, merci d'être passé. Parce que merci je sais que bah, vous connaissez peut-être pas forcément Twitch. Bah, ça va, je te remercie, l'autre. Non, mais bah, je passe un super moment avec vous. C'était que du plaisir. Non, mais très cool, ouais. Merci beaucoup. Les gens ont bien kiffé aussi. Et bah, vous souhaitez une bonne après-midi. Hein. Merci beaucoup. Merci. Delphine, un plaisir. Voilà. C'est l'heure de C'était cool. C'était sympa, Selma. Merci. Selma. Elle est trop cool, en tout cas, la journée. Pas win un match. En faisant tourner, je savais que ça allait te rendre sans ça. Ah, c'était. Non, mais après, ça a été que des matchs serrés, donc c'est ça qui est cool. Tu vois, dans l'idée ouais, où. J'avoue, il y a pas eu de. Parce que j'avais peur contre Romain Fèvre et Johan Le Penant. T'es vraiment qu'ils nous mettent 6-0 ou t'es en mode. Non, c'était fun, hein. Ouais, au final, on a fait deux fois prolongation, une fois tir au but. J'avoue que bien sympa. Celui-là, on peut prendre si tu veux autre chose. On peut se taper un petit City Real, tu vois. City Real, c'est un classique, sympa. Vas-y, je te laisse te mettre prêt. Tu as une préférence entre City et Real Moi, j'ai une petite préférence Real Madrid. Bah écoute, très bien. Si ça te dérange pas. City, ça me va. Les deux me vont, mais on va finir là-dessus. Alors, petit match, je te souhaite le meilleur. Voilà, non, toi, tu ne souhaites pas le meilleur. Non, si, je suis quelqu'un de fair play, vas-y, après, forcément. Vas-y. Bon, pour l'instant. Il y a quel joueur qui t'a le plus impressionné pour l'instant? Sur quoi? Sur FIFA? Ouais. Ou alors, genre, humainement, on va dire, même. Non, Karim! T'as une blessure sur Haaland. Je suis désolé, c'était écrit. Mais non, je te jure. Oh, terrible. Enfin, c'est peut-être ces petites blessures, tu vois. Mais... bah, en vrai, toutes et toutes, là, c'était très cool. J'avoue que Anto Lopez, tu sens qu'il ne se bute pas à FIFA, mais hyper détente, qui va rigoler, même en mode ça lâche des gros tacles et compagnie, tu vois. Genre... Et surtout, il a bien parlé, ouais, moi, les gros tacles, le jeu physique, tu vois, ça m'a fait un peu rire, tu vois. Alors, hyper détente, Tolisso, bah, c'était des barres, t'as senti que c'était hyper tryhard, mais du coup, qui nous vanne. Oh non. Et tout le monde va me claquer, tout le monde! C'est pas possible! Il y a un souci de manette. Il y a un problème de manette. Tu sais, j'ai capté, tu me poses des questions histoire de tempo. Non, mais histoire d'animer! J'ai compris. On parle pas, ok? Il n'y a pas de. On discute pas. Non, ouais, je pense les deux. Bah, après, Johan, tu sens par exemple qu'il est un peu timide. C'est ouais, normal, c'est il a, normal, quoi, il a 19 ans, non? Ouais, il a 19 ans, exact. Ouais, il arrive à l'OL, c'est beaucoup de choses aussi, quoi. Ouais, l'année dernière, Gambard, tu vois, cette année, Grand Bain, tu vois, équipe Ligue 1, machin, tout ça, c'est... Quoi, être un peu impressionné aussi, c'est normal. Oh, Erling Haaland, la puissance. Ah ouais, vraiment. Non, penalty. Oh là 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 là. Tu sais que Lady, j'ai juste appuyé sur L1. C'est honteux. Et j'ai pris 3 comptes favorables. Ouais, il a massacré tout le monde sur le passage. Il a marché sur 2 chevilles. Oh là 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 là. Ah, je suis désolé, mec. C'est imparable. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. J'appuie sur rien. Ah, nice. Non, mais je suis très sérieux que j'appuie. Je pensais que t'allais mettre une panenka. Ah, bah cool. Du coup, j'appuie sur rien du tout. Cool. Du coup, ça se fait bien plaisir. Eh bien, top, pas bien joué. Juste envie de te féliciter. Hein, c'est... Bien joué, Zach, mais j'ai appuyé sur rien du tout. Ouais. Oh, j'allais partir en power shot. La caméra. Le truc, c'est que ça met longtemps à venir donc. Oups, j'étais lisible. Voilà. Physique.
Let's go. Oh non, ça dégoûte, mais ça dégoûte, mais c'est si fluide. Vinicius. Après le Real, ils sont fumés. Vini. Bien, Vini. Ouais. Vini. Ça va bien. J'en ai difficile. J'en ai l'aller-retour à Lyon qui se passe plutôt bien de mon côté. 4 matchs, 4 défaites. C'est pas fini, c'est pas fini. Genre moi je me connais, je prends un but et ça peut crumble, tu vois. Un trou qui est compliqué à gérer là. Voilà, pas mal. La belle passe. Non, mais comment ? Oui, monsieur, le triplé ! Et c'est le triplé pour Vinicius. Ah, il a un souci. Junior. Vinicius. Il a un souci. C'est Vinicius Junior. Ça va bien ? Non, mais je bouffe un 3-0, mais... Je pense que tu peux encore remonter, hein. Bah bien sûr, merci Zach. Moi, je suis bien dans mon match. En plus, je suis vraiment nul, moi, donc... Non mais frère, il y a un souci. Attention, t'as fait un truc. Rien à foutre, il a voulu l'exploiter. Je suis mort. Dorgé, non ? Ouais, dorgé. Ça pouvait être une lucarne, ça. Hein. Ça pouvait être... Techniciens qui vont finir à 1h du mat. Tant que j'ai pas gagné. Non, en tout cas, franchement, trop cool. Moi, ça m'a fait plaisir. Et Sonia Beaupasteur, c'est la deuxième fois que je la vois. Elle est vraiment, vraiment trop, trop elle est hyper solaire en fait. Elle est toujours en train de sourire, toujours le smile. Ouais, ouais, vraiment, ça fait kiffer. Oh, mais ça va, frère, il encadre ou pas Puis même, tu vois, genre, vraiment, c'est stylé de pouvoir parler avec une entraîneuse championne d'Europe, tu vois. Bah, ouais, ouais. Qu'elle a démarré il n'y a pas longtemps. Ouais, très très cool. Let's go. C'est le moment où on va aller accrocher de la jambe, du genou. Le tout pour le tout. Non, stop, ils font quoi, mes mecs? Non, je veux juste voir le ralenti. La frappe contrée, gros, j'ai 4. Il y a 3 mecs du Real qui attendent dans la surface la balle. Ah, j'ai capté. Ah, c'est un prank de la prod. Ah, c'est énorme. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort. Ah, attends, je me disais. Je crois que. Oh, il y a Vinska. Oh non, ça, c'est Vinska. Oh non, c'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est les gars. C'est pas moi qui ai la manette. Oh putain, c'est fou. Grand prank. Oh, c'est fou. Je crois que dans notre duo, c'était toi le problème. Putain. Je crois que si je jouais avec deux fois moi, ça aurait été plus serré tout à l'heure, tu vois. Man, il a pas mis un but quand on était à deux et ensuite il m'en fout 4 en légende, vraiment il pourrait m'en mettre 6 là. Je t'ai mis des bonnes passes et tout en plus. Oh le calice jusqu'à la lit. J'ai plus envie de jouer. Faire une draft en rentrant bon, bah, en fait, t'es un artiste. Bah oui gros. Une chance. C'est hyper dur à calibrer, mec. Putain, moi j'ai voulu mettre une. J'ai mis une mine, quoi. Je me suis dit. En plus, avec l'effet ralenti et tout, j'ai peur. Bien joué, mec. Il a eu 0 sur 20. C'est un plaisir, mec. Non, bah, de la chier de mon côté. J'espère que tu me réinviteras. Non, en vrai, au-delà des résultats, au-delà du score, c'était vraiment c'était un live trop cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vraiment, j'ai kiffé. Je sais qu'il y avait beaucoup de supporters lyonnais aussi, parce que voilà, c'est nos joueurs et tout, donc forcément, ça rajoute un truc de fou. Même si vous suivez forcément le foot ou même l'OL, que vous avez pu passer un moment sympa. Et c'est un bonheur et une chance pour nous aussi. Hein. Donc merci à IA et à l'OL, parce qu'encore une fois, entre les dispos des joueurs, de rendre tout ça possible, il y a beaucoup d'intervenants. Donc ça fait trop plaisir, vraiment. Non, franchement, merci. Merci à l'OL, merci à IA, etc. Et puis franchement, même moi, fin de live, je le dis, merci à toi, P. Alfred. Vraiment, tu me fais vivre des trucs de fou. Match des légendes, aujourd'hui, popcorn et tout. Mec, t'es vraiment un roi. Donc franchement, je vais prendre un petit instant. T'es un mec de ouf. On se connaît depuis maintenant plus de 10 ans et ça me fait kiffer. Merci pour l'opportunité, merci pour tout. T'es vraiment un roi. Ça fait plaisir. Bah non, mais réciproquement, on était en LAN en 2010 ensemble. Exact. Et c'est vrai qu'on vit des trucs où ouais, on a de la chance de fou parce qu'on peut rencontrer les joueurs dont on est fan, enfin qu'on regarde nos équipes et tout. Donc très content de pouvoir vivre ça avec toi et content que ça finisse sur un 4-0 en plus pour vraiment mettre bien.